Good morning, Aleid, elle est sur aujourd'hui. Elle est le Nishmat, Avram, Mordechai, Ben Yitzhak, Befani et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, côté 25 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Yavam et Perek Dalet Mishnah Vet. A connaisset Yavimto Benimtset Meoberet Veyalda. Bizman, Shavlat Shel Kayama, Yotzi, Vechayavin Bekorban. Bizman, Avlat Shel Kayama, Yekayem, Safek Ben Tisha, la Risham Safek Ben Shiva, la Acharon, Yotzi, Vechavlat Kasher, Vechayavin, Vacham Talouy. On va parler de la Mishnah précédente avec la situation où on a fait la Khalitsa à la veuve et après on a réalisé qu'en fait elle était enceinte du mari défunt. Bon, Baruch Hashem, il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune avéra qui a été faite. On a juste fait la Khalitsa, une Khalitsa pour rien. La Mishnah précédente nous apprenait que la Khalitsa pour rien n'interdit pas. Maintenant, une situation beaucoup plus triste. C'est qu'en fait, ils ont patienté, mais pas comme il fallait attendre 3 mois, comme on avait vu. Que dans la Mishnah du fin de Perek Gimel, que lorsqu'un mari décède, lorsqu'un homme décède et que sa femme elle va faire le Yiboum, il faut d'abord Shalosh Chodshe Avchana, il faut 3 jours pour distinguer qu'on va être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Il s'avère que quoi, ils ont mal patienté, ils n'ont pas patienté 3 mois, ils ont fait une erreur de calcul, ils ont patienté 2 mois, 2 mois et 1 semaine. Ils ont calculé que c'était 3 mois, ils sont trompés. Et après quoi? Il s'avère qu'au bout de 2 semaines, ils ont commencé à vivre ensemble, ils sont très contents, tant bien que mal. Ils donnent ils ont un petit. Puis après 3 semaines, son ventre qui commence à grossir. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, le frère défunt, il a laissé un souvenir sur terre. Donc son frère, il n'avait pas le droit de se marier avec sa femme-là. C'est devenu la femme de son frère. Ça veut dire que maintenant, elle est zona totale. Elle a un statut de zona. Qui est en train d'entretenir un rapport avec une inceste, que ça. D'accord? Donc il doit absolument divorcer. Pour le moment, apparemment. Mais en fait, ça dépend de ce qui va naître. Tout d'abord, à connaître cet Yevimto. Il a été connaître Saïvama, il a fait entrer Saïvama, il a fait le Yiboum. Il s'est marié avec elle. Venimset Meoberet, et après coup, il s'avère qu'elle est Meoberet, elle est enceinte. Veyalda, et elle accouche. Bisman Javlad Shalkayama, si le Vlad il est Shalkayama, eh bien, Yotzi Vechayavin Korban, il devra la faire sortir et lui, la libérer tout de suite. Et en plus de ça, ils devront même aussi apporter un Korban. Apporter un Korban, étant donné qu'il a eu un rapport avec la Echet. Achiv, Shalobim comme Mitzvah. Donc, apporter un Korban Khatat. Maintenant, Vimena Vlad Shalkayama. Si le Vlad n'était pas Shalkayama, il y a un enfant pas viable qui est né, ou bien mort-né, ou qu'il a vécu quelques minutes. Quelques heures, quelques jours, après il est mort naturellement, et bien dans ce cas-là, Yekayem, il pourra continuer à faire le Yiboum avec cette femme-là. Il n'aura pas eu de rapport interdit. Il faudra quand même faire la mise de Yiboum avec elle, mais il pourra rester avec elle. Ok? Maintenant, situation délicate. Je vous ai dit, c'est pas qu'il a pas senti 2 semaines et 1 mois. Deux mois et 1 semaine. Il a pas senti 2 mois et il a pas senti en réalité. Ouais, 2 mois. 2 mois exacts. Alors vous savez qu'un enfant, il peut naître soit au bout de 7 mois, soit au bout de 9 mois. Et quoi? Il s'avère que maintenant, il a patienté 2 mois. Et après, Nimtset Meoberet. Et maintenant, on ne sait pas, est-ce qu'en fait, ça fait déjà 2 mois qu'elle est enceinte du mari défunt, ou bien est-ce qu'elle vient de tomber enceinte avec le deuxième mari? Vous voyez, imaginez la situation. Par exemple, ouais, ça peut être fréquent. Il a fait le hiboum 1 mois et demi après, le décès de son frère. Erreur, il ne fallait pas le faire. Mais il l'a fait. Maintenant, au bout 1 mois et demi, on commence à avoir un ventre qui grossit, 1 mois et demi. Ça peut être, en réalité, ça peut être un héraïon qui date du premier frère. Donc il s'avère que maintenant, cette femme-là, elle est même pas scouka les hiboum, mais en tout cas, l'enfant qui va naître, c'est l'enfant du frère, du premier frère. Ou c'est possible que ce soit à l'envers. En réalité, c'est peut-être la femme, c'est peut-être le deuxième, quand il a fait le hiboum, qui l'a mis enceinte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on a un doute, ça fait que Ben Tisha Rishon, ça fait que Ben Shiva l'Acharon, on ne sait pas ce que c'est le Ben. Tisha, il est né 9 mois après le premier frère ou 7 mois après le deuxième frère. Alors là, la Mishnah nous dit Yotzi, il devra divorcer sa femme, il devra lui donner le guet, il ne pourra pas la maintenir parce que, dans le doute, on ne sait pas est-ce que c'est la sœur, la femme de son frère ou est-ce que c'est sa femme à lui. Est-ce que, ouais, d'accord. C'est-à-dire, si toutefois elle n'avait pas de Zaniboum, ce n'est pas devenu sa femme. Donc il devra forcément la divorcer. Mais aussi lui donner un guet, parce que peut-être qu'en réalité c'est sa vraie femme. Mais malgré tout, le Vlad, le bébé qui est né, il est caché à lui de toute façon, parce que deux choses l'une. Soit ça date de l'époque du premier. Sa mère, quand elle est enceinte, elle est partie faire des bêtises. Ça ne concerne pas le Vlad, ça vous savez. Une femme qui tombe enceinte de manière kshéra. Après, elle a un écart. Pendant qu'elle est enceinte,
Alors le pauvre, ce qu'il a reçu sur la tête pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. Mais malgré tout, lui, il n'a pas été invalidé. Il a été fécondé dans les règles de l'art. Ok? Donc un Vlad Kacher. Mais Khaevin Basham Taloui, il devra porter un corban Hasham Taloui. On apporte un corban Hasham Taloui lorsqu'on a un doute est-ce qu'on a transgressé une avéra. Attendez qu'il y a maintenant une situation où tu ne sais pas est-ce que tu as transgressé un Issur Karet ou pas. Dans le doute, on apporte un corban Hasham Taloui. Un Hasham qui va, dans le doute, il va suspendre les punitions et les épreuves qu'on endure parce qu'on a transgressé une avéra. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha comme tout ça.